les équipes, chacune sur une île, remplie de creepers et des électriques. Des missions, des actions, de la tactique. Qui survivra à ce périple? C'est Creep Island. Oui. Putain, il y a du monde. Du coup, c'est, je vais mettre à côté de la carte à la professeur. À tout le monde. Ta gueule. 2, 1, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bonne année. SNCF. Les enfants, ici. Oui. TGV numéro 7701. Je vous raconte que le wagon bar, le wagon bar. Train est arrêté à la gare. Départ initialement prévu à 21h12. Et allez, on va commencer le numéro 2 par 2. Que des tickets de métro. X-Rider. Sont disponibles à la voiture. On a le petit fine. Les joueurs de l'équipe de France qui sortent du terrain. Le partage des bagages est obligatoire. Eh, hey, j'ai trouvé la touche pour zoomer. Wow, c'est quoi ce gast? Pourquoi il y a que 3 îles qui sont fun? Waouh, ça juge. Et pourquoi ça a des trucs de... Comment les mecs qui ont cette île à la con là? Attends. Ça a changé avec la TP. Les mecs, celui qui ont le désert, ils font comment? Ceux qui ont le désert, ils font la tour de cactus. Ok, allez, c'est parti. On est en record, c'est bon. Par contre, non. Il y a qui c'est qui fait de l'écho de ouf. Bordel. On va faire un peu d'écho. 3, 2, 1. Trill pour miner sans souci, mais de ne pas aller sur les îles des autres. À partir de l'épisode 2, vous faites ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez, vous tuez qui vous voulez. D'accord. Cool, je vais survivre 20 minutes. Ça, c'est par hasard, mais on se voit dans un... Enfin, si on se voit quand même, lors du premier épisode, on peut se tuer ou pas? Non. Non, mais arrête. De toute façon, tu peux pas, tu vas voir personne vu que t'es sur ton île. T'es sûr de toi? Est-ce que tu veux parier? Est-ce que la super Ender Pearl. Alors, j'ai le pouvoir de... Je suis Dieu aujourd'hui, j'ai le pouvoir d'enlever des vies. Parce que nous avons 10 vies au total à partager pour chaque team. Si quelqu'un comme Nems, par exemple, s'aventure dans une île alors qu'il n'avait pas le droit, vous me le dites dans le chat, je ne vérifie même pas. Mais non, mais j'annonce, moi je plante ma main dans le nether. Hein. J'annonce, hein. Et vous passez le portail, je suis déjà sur votre cul, hein, c'est fini. Alors, justement, parlons-en du Nether et parlons de Creeper Island de manière générale. Alors, avant, non, il reste une dernière façon de gagner des points en faisant des crafts de qualité. Pour faire des crafts de qualité, comme par exemple la TNT, des pistons, de culture. Des crafts, des points de culture. Et si vous les faites, vous gagnez des points. Par contre, ces points-là, peu importe le moment où vous le faites, vous gagnerez tous le même nombre de points. Il y a des crafts qui valent plus ou moins de points. Vous avez le livre qui l'explique, vous pouvez parcourir le livre. Le Nether et toutes les îles ont une anomalie, c'est qu'il y a énormément de creepers. Nether. Le Nether. La cambrousse, je suis choqué. La qualité de Nether. Qu'est-ce qu'il parle là-bas? C'est moi, Sus. Flashback. Donc je disais, il y a 40% de creepers en plus. Voilà. Partout. Donc en fait, faites attention, et il y a des creepers chargés, je vous rappelle qu'on est en ultra hardcore, et donc ça veut dire qu'un creeper chargé vous one shot, et les coéquipiers qui sont aux alentours, pareil. Donc l'épisode 1, épisode 2, je vous demanderai de faire attention. Attention. Donc Nether, on peut y aller à n'importe quel moment. Nether, vous pouvez y aller à n'importe quel moment, en sachant que... Nether, tu peux y aller à n'importe quel moment, en sachant qu'il y a un portail partagé du côté du Nether étant donné la taille de la map, ce qui veut dire qu'il y a une zone safe au niveau du Nether qui se trouve à 10 blocs sur 10 où personne ne peut se tuer. Cependant, au-delà de ces 10 blocs, vous faites ce que vous voulez. Tu l'as donc. Petite information quand même, ne prenez jamais un portail, sinon ça va faire bugger le plugin, ne prenez pas un portail d'une autre équipe si vous-même vous n'aviez pas encore fait le portail du Nether. Faites-vous chacun votre propre portail et passez au moins une fois par votre portail. On ne sait pas pourquoi, mais le link des portails fonctionne Minecraft pas. Souvent. Il nous dit comment faire bugger le plugin. Non. Précise pour le Nether qu'on perd des points au bout d'un moment. Quoi? Oui, hein? Et au bout de la troisième minute dans le Nether, vous faites perdre des points à votre équipe. Quoi? Personne n'a jamais lu ce truc. Attends, c'est trop bien. Si vous ne donnez pas 20 euros à ce lien PayPal, vous perdez. Attends, redis pour le Nether, c'est quoi? Tu perds des points pour quoi? Au bout de la troisième minute dans le Nether, il y a des points qui sont diminués toutes les minutes, automatiquement. Donc vous faites perdre des points. Mais c'est un truc d'antinème, c'est ça, c'est cool. Et pour les gens qui mettent minimum un épisode à avoir une forteresse, ils font comment? C'est quoi, c'est un point à la minute ou... Le gros avantage, c'est que le Nether... Le Nether a forcément... Le Nether,
a forcément une forteresse très très proche, donc il n'y a pas de souci, elle sera à moins pour de chaque île. Voilà, il y a une équipe qui raid et il est commun. Il est commun et vous ne pouvez pas ouais, donc les, même s'il si va l'avoir et nous rien. Du coup, on peut avoir des points négatifs ou pas? Non mais c'est chaud oui. quand même. Nice. Ah oui, c'est chaud. Ah, on a jamais dit que c'était facile. Hein. Est-ce que c'est comme au golf, moins t'en as plus tu gagnes des bon. Points. Tu peux essayer, on va faire la super technique, on les tue tous et puis on voit après. Question prof. Le bouquin, on l'aura ou pas une fois qu'on... Non, le bouquin, vous ne l'aurez pas. Par contre, en fait, tout est affiché. Vous avez des panneaux qui vous permettent de vérifier l'état de vos collections, l'état de vos points de culture. D'accord, et chaque okay, event sont affichés à chaque fois. Le mec, fois. Il a cru que c'était civilisation. Petite dernière information sur chaque c'est compliqué. Hein. Étant donné la difficulté du jeu, parce que vous allez voir que c'est vraiment pas facile, sur chaque île, il y a des coffres cachés avec des ressources dedans. Je vous invite donc à aller les voir, à les trouver, à bien explorer l'île au départ parce que vous allez être bien content d'avoir ces quelques cadeaux au départ. Ils sont cachés où? Les cadeaux venir, et les commandes ne fonctionnent qu'après une minute de jeu, ne vous inquiétez pas parce que pendant la première minute, tout dégât est enlevé. Donc les panneaux et quelques petites choses du plugin ne fonctionnent pas, mais ça vous permet d'aller explorer l'île, il n'y a pas de problème. Voilà, des questions ou pas? Ouais, moi j'ai une question aussi. Ouais, jour 8, ouais. Déjà, mais j'ai une question oui. par rapport au coffre qu'on a à notre île. On peut le casser et le reposer, non. le coffre des collections? Non, okay. Il restera toujours à sa place, il ne peut pas bouger. Par contre, d'autres personnes peuvent l'ouvrir et peuvent voler ouais, des donc choses. T'as dit qu'il comment fallait on le cacher, cache en fait, si on ne le cache pas du tout. On peut faire alors, d'autres coffres cachés, pardon. Tu peux le cacher parce qu'on a testé, la map et il y en a qui ont réussi à le cacher vu que moi-même, j'ai pas réussi à les retrouver. Tu donc, refais un non. sol par-dessus et puis voilà. Voilà. Tu donc, fais ouais, on peut faire d'autres coffres, ça c'est vrai qu'il va faire ça. Pourquoi sur l'île d'Aurélien il y a une montagne? Ça ne marchera pas si vous faites ça. Non, okay, mais je veux dire, tu peux. Par contre, je vais parler d'épisode 8. À l'épisode 8, c'est le dernier épisode. Les bordures se referment. Vous avez intérêt à courir sur l'île centrale. Et sur cette île centrale, nous sommes dans le nuage du volcan. Je ne sais pas si vous avez vu en dessous de vous. Ouais. Mm-hmm. Et il va falloir faire un bridge au-dessus de la lave pour appuyer sur le bouton qui est juste en dessous du nuage, là, en dessous, là, voilà, pour l'équipe qui arrivera, en sachant qu'on sera tous là parce que la bordure va se refermer, et l'équipe qui appuiera sur le bouton fera terminer la partie. La question, c'est qui gagnera, c'est ceux qui auront le plus bon, de points. Fait jouer ta est-ce qu'on a le score des autres équipes ou pas du tout hein. Combien oui, on les voit les le score des autres équipes à chaque fois. Ah, c'est dommage. Okay. Ah, c'est bien, ouais, et d'accord. Est-ce qu'elle friendly fire? Oui. Et est-ce que si on tue nos mates, ça fait du point de PVP aussi? Oui. Ah, mais okay. Tu perds une vie. Oh. Attends, pas PVP, mais pour Mais tu perds une vie pour l'ensemble de mais pour l'event, t'as un oui. event où tu dois tuer si quelqu'un. Si y a un event PVP, ça peut faire des d'ailleurs, points. Chaque vie qu'est-ce... vaut combien de points alors, de mémoire, tout est entre 2 et 5 points. Il y a des crafts qui sont à 5 points, il y a des events qui sont à 5 points au départ et 2 après, mais ça varie toujours entre 2 et 5, mais vous allez vite vous apercevoir ce qui est plus dur à faire ou moins dur. Donc il faut savoir voilà. si ça vaut le coup de tuer un de ses mates pour gagner le level de tuer quelqu'un. Ça peut avantager. Si ça te rapporte 5 points et que ça t'en fait 3, ça vaut le coup. Quelle question dans le Nether pour les viewers, 1.10 mais spam click activé ou pas? 1.10 mais spam click activé. Ok. Nul. Ça change pas. Pour le Nether, les 3 minutes, c'est du genre si tu rentres dans le Nether, tu restes moins 3 minutes, tu sors, tu re-rentres, ça remet à 0 le compteur. Je crois que ça réinitialise, mais j'ai un doute. Parce que sinon, en 3 minutes, tu n'auras jamais le temps. Non, mais voilà. Au-delà des 3 minutes, tu perds combien de points non, à la minute? Non, mais c'est fait exprès. 32. Non, t'en perds pas tant que ça. Non, mais c'est un point à la minute, c'est un low pass. C'est un point à la minute. Tu perds 2 points à la minute. Voilà, donc non, okay. Non, c'est pas grand. Voilà, alors le plugin est relativement chargé. Je vous demanderai d'être gentil. Il est possible qu'on rencontre quelques bugs, mais j'ai quelques données pour restabiliser le truc. Voilà. Okay. Merci. C'est la fin de ce premier épisode. Attends. C'est la fin de l'épisode 0. Allez, allez, on peut tout de suite chier. Pause bleu. Bonne chance à tous. Ah, t'as bisous. Bonne chance. Il y a le ciel aussi. Ouais, oh, bon, on est parti, les bisous. Bon, ok, passez en avant. C'est déjà ça. Ok. Je suis dans la terre. Afficher les collections slash collection. Afficher les cultures slash culture. Ok, d'accord. Il y a que moi qui est dans la terre. Bonjour tout le monde. Non, ouais, c'est bon, je suis sorti. Je suis bloqué en fait. Épisode 1, comment ça va? Ah non, c'est bon, ok. Oh, non, alors, bonsoir, épisode 1. Donc on du a l'île chelou de la jungle. Du coup, on a le pire biome, c'est oui. chouette. Voilà. On dirait une mauvaise blague. 4 hein. mecs qui spawnent sur une île déserte. Voilà. C'est qui fait Winston, Wilson? C'est pas moi, non, je colle pas moi de Wilson. Non. Ouais, pareil, je fais pas Wilson. C'est le dernier qui dit pas moi qui fais Wilson. C'est, sûr, c'est tout pourquoi il a un trou Wilson. Alors, déjà, dès le début, tu sais, dans les événements, il y a une tour de cactus de 50 à faire. Donc, ramasser tout le cactus, c'est replacé ouais, à balle. C'est ce que j'ai en train de c'est faire. C'est même de 100, non? C'est même pas 50. Oui, c'est 100, ouais, enfin, c'est le bordel.
Moi ouais, j'allais faire. J'avais lu 50. Quelqu'un fait la table de craft. Ouais, 50 de haut. Il y a 50 et 100, non, c'est pas les. Oh, je sais plus. Ah, peut-être, ouais. Il y a marqué 50 sur le truc. 50 de. Il y a pas la vein miner. Non, tant pis. Non, c'est bien. Comment ça se passe? Il y en a qui essayent de récupérer. Ah non, on a de la bouffe en fait. Ouais, on a 64 minutes, c'est plutôt pas mal ça. Ah oui, on a 64 steaks, je viens de le voir à l'instant. Il y a des patates et tout. Oula, architecte, c'est quoi le but de l'architecte? Moi je vais faire un tour de cactus, hein. Je ramasse un peu tout ce qui est insolite et je fais le tour. Okay. Moi je ramasse des graines. Je prends des pommes. On a besoin d'un stack entier. Bah ça va, c'est cool. On est pas dans le Mesa quoi. Du coup, on a les hautes herbes. Ouais, graines, ça va. Enfin, je suppose qu'ils ont prévu quelque chose pour. Ouais, parce que j'avoue, dans le Mesa ou alors dans le. Bon après. Pour avoir des graines, bonne chance. Hein. Ouais, après, sur l'île où on est, potentiellement, on peut déjà avoir deux saplings. Ouais, deux saplings, il y a les eaux qui est. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est un peu plus complexe pour se déplacer, mais c'est pas dramatique. Par contre, vous faites quoi? Vous vous barrez de où on a spawné ou De toute façon, il va falloir y revenir. Il y a notre coffre pardon, de collection. Donc, Ouais. Et le coffre de collection, c'est là où il faut mettre genre les crafts, les items récupérés et tout le bordel. C'est ça. Ouais. Non, c'est pour les collections et les cultures, c'est tout, je crois. Ah ouais, les mais je sais pas si ça reste dedans ou si c'est consommé. Événement architecte. C'est quoi l'événement architecte? Ça y est, premier événement architecte. Il faut construire. Putain, c'est une maison. Ouais, il faut faire une maison et il faut 50 planches et 50 pierres taillées. 50 pierres taillées. 50 stone bricks, du coup. Il y a des pumpkins, je vais les prendre, on sait jamais. Comment ça, Alex? Lui, il a déjà 3 points. Ah, ils ont dû se suicider ou un truc comme ça, je sais pas. Donc, il nous faut de la stone, la maison, il nous faut de la blinde de stone et de bois. Ah non, ils auraient eu 5 points parce que du coup, la première équipe à remplir un objectif a 5 points. Ouais. Donc, du coup, putain, comment ça se fait qu'ils ont 3 points, eux? Bah, ils ont dû, à mon avis, tuer, et du coup, ils ont gagné 5 points et perdu 2 points, ça fait 3 points. Oh, mais on l'a pas vu dans le chat, ça, la mort. Si, non, on l'a pas vu dans le chat. Ah oui, non, ça doit être autre chose. Bon, peu importe. Non, on les voit pas, les achievements, etc. On voit rien, on voit rien. Ok, ouais, j'ai la sapling de Hawk. Ok, bah la jungle ça va être easy. Ouais, la jungle ça va. Il faut une hache avant d'y aller, mais ça va être easy. Moi j'ai 14 graines. Pensez à prendre la loc aussi du chest. Ouais. Il y a un chest caché, on peut pas le trouver. Ouais, c'est le chest où on a popé en fait. Ah, c'est juste. Ouais, il y a des chests un petit peu partout sur la map apparemment. Après, il nous faut 4 bois différents, 5 laines aussi. Donc les moutons, il faut surtout pas les tuer. On peut en avoir 3 décolorés. Il y a une île en face, donc c'est l'île des autres qu'on voit d'ici. Ouais, c'est l'île des autres qu'on voit. Ouais, mais on a pas le droit de bouger d'île, les gars. Ouais, pas aussi, mais en prochain épisode, je prends un bateau, je vais chercher le boulot et je vais chercher le dark. Ouais, voilà, exactement. Il va pas en mode je cherche la merde, il va juste je prends des échantillons et je me casse. Ouais, voilà, c'est clairement ça. On est pas loin du coffre là, du coup, Shorty par ici, non? Ouais, on est à côté. Ouais. Il est où? En tout, s'il y a canne à sucre et tout sur le rebord, moi, je fais un peu le tour. Ah, il est là, ok. Je vais prendre les locks pour être sûr de les avoir. Ouais. Ok, bah c'est tout simple, je vous le dis, c'est 2. Ah, bah non, je vais pas le dire en fait, c'est pas une bonne idée, mais. Oui, on sait jamais, ouais. Parce que ce coffre là, on est censé le planquer, hein. Ouais, on le planquera. Ouais, on peut le planquer. Bah, à la limite, dès qu'on a du. Comment ça s'appelle? Dès qu'on a du fer, on fait une. On fait une chire et on fait un espèce d'arbre autour, c'est bon quoi. Ouais, on peut faire un arbre autour, tout à fait. Des trucs autour. Ça te paraît suffisant, ça? Bah, en fait, après, il suffit de faire d'autres endroits où les gens pourraient penser qu'il est là, ils vont le chercher autre part alors qu'il est pas là, tu vois. Pour ceux qui ont de la canne à sucre, etc., pensez à aller poser directement. Ouais, la canne à sucre. Là, je suis en train de récupérer. Il faut faire gaffe dans le cactus, du coup. Ouais. Pour sortir. Ouais, gaffe, du coup, c'est cœur partagé en équipe, c'est-à-dire c'est non, non, c'est juste les vies en fait. C'est comme si t'étais en HQM, tu sais. Ouais, d'accord. HQM. Il y a déjà une table de craft de fête ou pas? C'est vous qui avez planté les patates? Est-ce que c'est vous qui avez planté les patates? Non, il y a des patates. Il y en avait de base. D'accord, ok. Ah, et d'ailleurs, il y a des coffres cachés, on est d'accord. Ouais. Bah, ah bah, on va en chier sur la jungle pour les trouver. Par contre, j'ai pas vu, c'est Eternal Day? Ah, je sais pas. Ah, c'est vrai que c'est une bonne question ça. Non, il y a le soleil bouge en tout cas. Ah ouais. Donc Ouais, mais est-ce que c'est cyclique? Ah bah non, ça va pas être Eternal Day vu qu'il y a. Je pense pas, hein. Bah, si c'est Eternal Day, comment on fait pour choper les. Par contre, c'est vrai qu'on a le bon biome de merde pour chercher les coffres, quoi. Ouais, mais par contre, pour les creepers aussi, on va en chier, John. Parce que ça va tomber de partout. Ouais. D'ailleurs, j'en ai pas vu encore, c'est normal, c'est le premier jour, y'en a pas? Bah, t'es censé en avoir en fait, même dès le début, non? Y'a de la clé ici. Ah là, j'ai de la canard. Ouais, y'a de la clé un peu plus bas aussi.
Je la récupère parce qu'il y a un des trucs, c'est collecter 5 clés différentes. Ah, j'ai un coffre. Ouais, la, oh, ah, bien joué, clé, ça. La clé et la laine de 5 couleurs différentes. Pomme d'or. À la limite, nice. On a un mouton. Pomme d'or, ouais. Ah, et on est en UHC ou pas? Oui, apparemment, oui. Oui, on est en UHC. Bon, du coup, ça fait un seul coffre qu'on a. Il n'y en avait qu'un seul, hein, c'est ça de caché. Non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais la map est immense. La map, enfin, notre île, elle est immense. Je suis en train de faire le tour, laisse tomber pas. Là, je suis en train de récupérer aussi tout ce qu'il y a autour. Ah ouais, non, de façon, on va se croiser cachés. De toute façon, je pense. Mais... Donc là, déjà, dès qu'on peut, on se cale 50 planches et il faut vite fait de la cobble et, pour la faire cuire, ouais. Pour avoir la stone brick. Ouais. Et comme ça, on fait notre événement. La limite, ouais. Temps on a pour le faire d'ailleurs. En fait, non, l'événement, tu peux le faire quand tu veux, mais si t'es le premier, t'as 5 points, si t'es deuxième, t'as 4 points et après, t'as 3 points. Tout le monde a 3 points après. Au-delà du deuxième, t'as 3 points. Ouais, d'accord. Donc ça peut avoir le coup de le rusher quand même. Le point, ça va parce que vu le lieu où on est, c'est pas les. Par contre, c'est la cobble. En fait, tous les objectifs c'est pareil, ça te rapporte plus de points si t'es le premier à le faire. Mais là, il y en a un qui est bon. Il en faut combien? C'est bon, je suis déjà en train de miner. Ah bah parfait. Du coup, ouais, c'est quoi qu'il faut farmer? Il en faut combien? 50 planches, 50 planches et 50. 50. Ouais. Mais ça se valide comment d'ailleurs cet événement? Je sais pas, j'ai aucune idée de comment ça se valide, mais. Il va pas réussir à détecter le truc. Bah, ça doit peut-être être comme. Comment ça s'appelle? La Shimont de Dire Wolf. Ouais, de Dire Wolf qui te dit 50. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et hop. C'est quoi ton titre du coup, Shorty? De quoi? Comment ça marche le truc de Dire Wolf? En gros, dès que tu fais une maison en boost de 9x9x9, bah ça trigger un truc et automatiquement ça te fait. De toute façon, en 50. T'as une espèce d'achievement. Oui, je vois exactement, c'est un achievement de Pneumatic Craft. Ouais, quelque chose comme. Ah, je sais. Non, je sais plus. Ça va, les 50 planches, ça va rapidement vite. Quoi. Mais par contre, la question. T'inquiète, j'ai déjà pas mal de bois. Moi j'en ai 40 là de. Par contre, il y a la cobble et après, faut la faire cuire aussi, quoi. Ouais. C'est 4x4, donc du coup, ouais, j'ai déjà le. Enfin, j'ai le call, etc. Je récupère juste de quoi faire 2-3 fours et puis ça devrait être bon. Logiquement. Okay, nickel. La question étant 50 par. Enfin, 50 blocs, ça fait un combien par combien? Ça, si on veut avoir. Ah, je sais pas, justement, ils mettent qu'ils ont pas gagné de points, donc il doit y avoir un truc particulier, tu vois. Parce que je me dis, pour détecter le bordel, c'est pas si simple, quoi. Non, mais en fait, à mon avis, je crois qu'ils ont. Je suis en train de demander comment ça marche. Je crois qu'ils ont pas tilté la différence entre peut-être cobblestone et pierre travaillée. Pire qu'il y a qu'à mettre son jeu en français et on verra. 50 pierres taillées, ouais voilà, c'est parce que c'est le jeu français. Pierre taillée, c'est la stone brick normalement. Ouais voilà, c'est ça. Oui, c'est stone brick. Hein. Parce que l'autre c'est cobblestone, c'est pierre travaillée, enfin c'est de la merde. En français, je sais même pas ce que ça donne. Pierre moisie. Non, je sais pas. Ça, ah non, le bois, non, il faut moisie. Qu'il y en ait plusieurs différents. Ah oui, non, d'accord, ok. Ok, c'est pour ça. Ok, bah c'est bon, vas-y, on continue à y aller. Hein. Les 50 planches easy, hein. Je suis en train de démonter. Ça marche. Un jingle. Alors moi j'ai bientôt. Ah ça y est, j'ai terminé le tour jusqu'au milieu de l'île en faisant le long. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais la traverser pour revenir. Alors pour l'instant, j'ai deux saplings. Hein. J'ai Jungle Sapling et Oak Sapling. Ouais, la Oak, j'en ai planté une sur la plage aussi. Et d'accord, sachant qu'il me faut trois saplings différents pour valider un des trucs donc, et trois bois différents. Donc, bah ça, on les voit juste en face de là où il y a les cactus. Donc, Ouais. Ah là là, j'avoue, il y a le stress, et pourtant là, tu te dis, on va pas te mettre sur la gueule, mais l'histoire c'est des creepers et creepers chargés, là, je le sens mal quand même. C'est agréable, je trouve, d'être sur du mini-jeu comme ça. Ça me rappelle beaucoup Flag Wars pour ceux qui auront suivi. C'est beaucoup plus vieux, c'est Bill Silverlight qui avait organisé ça. Ça me dit un truc. Ouais. Mais par contre, je suis d'accord, bah, ça change du coup pas mal des STP, tout ce qui est pur PVP quoi. As2 est à 5 points, c'est-à-dire qu'ils ont complété l'achievement de la maison. Ah les bâtards. Ah ils ont pas traîné quand même hein. Ou alors ils se sont entretués mais ça m'étonnerait. Ils ont peut-être eu un autre truc. Je sais pas quoi mais. Je sais pas. Je... Genre s'ils font la tour de 50 de haut de cactus là maintenant. Parce est-ce que... fait. Non parce qu'il a pas été activé. Il a pas été activé l'événement. D'accord. Oui il faut qu'il soit actif. Non ouais la maison on l'a fait où? Limite tu peux la. Limite pour que ce soit plus simple, tu pourrais presque la faire, tu sais, sur l'eau. Ouais. Je pourrais presque la faire sur l'eau. Les gars, il va faire nuit, donc faites super gaffe, ça va devenir ton bout de place. Moi, je suis resté sur le bord de la plage. Il y en a un qui peut taper des fours, qu'on fasse du charcoal avec le bois et qu'on commence un peu à torcher comme des cochons, là. Ah, mais il y a un four, okay. Nickel. Il y en a déjà trois des fours, là, pour le moment. Ah, Flight a été tué. Ok, ils en ont vie. Il a été tué. Bon, moi, je suis autour de miner. Et puis Fort a 4 points. Et puis Fort a 4 points, donc c'est-à-dire que c'est les deuxièmes à avoir fait l'event.
Par contre, ne tuez pas les moutons. Non, t'inquiète. On l'a fait où la baraque? Parce que moi, les 50 d'ailleurs, pour je les moutons, ai, hein, donc go. Hein. Pour les moutons, je vais avoir de quoi faire une chire. Donc on va pouvoir récupérer les trucs. Par contre, il faut les sacs. Il faut les sacs couleurs. Il faut les sacs couleurs. Mais on en a déjà deux. On a le cactus et on a le. Merde, comment ça s'appelle? On a les graines de cacao. Ouais, les graines de cacao, ouais. Marron. Ah, il faudrait trouver les deux fleurs de base. Les balances où là? Ah, par contre, si tu veux, j'ai des poulpes à côté de moi, on peut en avoir une troisième. Ouais, c'est bon. Bah, si quelqu'un trouve une des fleurs de base vanilla, là, la poppy ou l'autre, là. Ou n'importe quelle fleur, en fait, de toute façon. Il en faut combien par contre? Il faut 5 fleurs de. Ouais, mais c'est un seul exemplaire, j'ai besoin que d'un ink sac. Ouais, par contre, après, il y a la clé de couleurs différentes, je crois, non? On peut faire la maison du coup. Je la fais où la maison? Ouais, c'est ce que je disais parce que moi j'ai les 50 blocs là et du coup où est-ce que je les balance, bordel? Bah, ici là. La maison, on fait la. Sur un arbre, n'importe. Ah ouais, pire. Ouais, ou sur la plage dans l'autre, c'est là où il y a qu'une couche de différence à la limite. Enfin, pour avoir de la place quoi. D'accord, ça fonctionnera? Bon, je fais ça en mode YOLO, écoute, hein, là. Par contre, on essaie de valider ça rapidement quoi. Bah, de toute façon, là maintenant, tout le monde l'a. Enfin, il y en a déjà qui l'ont fait dans l'ordre donc on est. Là on est quéquette là, ça y est. On sera 3ème, mais on aura quand même 3 points, tu vois, c'est déjà ça de prix. Ouais, et puis après ça veut dire qu'on peut... On s'en fout de l'esthétique en gros, fuck you. Ouais. Tant que c'est correct et vivable quoi. Mais c'est surtout que... Vivable, tu sais, à partir du moment où tu balances 50 planches en random et 52 cobble, oui ça va être vivable, mais par contre ça va être dégueulasse. Hein. Ouais. En mode YOLO. Y'a YOLO. Okay. Et toi la stone brick? Je vais remettre du... limite faire à toi. Je sais pas si... Par contre il va falloir à toi. Le Shaman Dire Wolf, si tu fais pas à toi... Ça compte quand même le Shaman sur Dire Wolf. D'accord, c'est validé. Bon les gars, ça y est, le bois est décalé, vous avez vu? Ah non, allez foutre votre stone brick là-bas. Ouais, j'arrive. On manque encore un petit peu. Ça c'est vide. Ok, donc j'ai dit qu'il fallait quoi? On peut poser des cartes. Alors. D'accord. Est-ce que la laine blanche de base compte? Ah, je ne sais pas. Je suppose que oui, quand même. Hein. Ouais, okay. ça doit. Donc toi, tu viens ici. Voilà. En toute logique, oui. Les laines différentes, il en faut combien? 5. Attends, j'ai un stylo. Oui, j'ai un stylo près de moi. Donc, et d'ailleurs, il faut aussi 4 poissons différents. Ah, bah, il va vers la pêche. Bon, okay, ouais. Est-ce qu'on a un pulvériseur pour faire du fil à partir de. De toute façon, j'ai noté, au niveau des collections, il y a 3 saplings, 3 bois, 4 rails, je sais pas trop ce que c'est, 5 laines, 3 fleurs, 4 minerais, 5 glaces, 3 stuff en fer, 4 poissons, 5 laits. Après, dans les crafts, il y a 3 TNT, 5 sticky pistons, 5 under chest, 3 comparateurs, 3 bottes de foin, 4 bannières, 5 maps, 4 livres, 3 pumpkin pie et 3 dispensers. Mais ces trucs-là, je me demande, si t'en fais plusieurs fois de la TNT par exemple. Non, ça compte qu'une seule fois. Ouais, ça compte qu'une seule fois. Ouais, il a dit que ça comptait qu'une seule fois. Par contre, tu vois qu'il y a 3 bottes de foin à faire, donc qu'est-ce que je fais là? Mes seeds. Ah, tu les plantes, implante-les tout de suite, ça sera fait. Je vais me mettre là-dessus tout de suite en fait. Ouais, ouais. Toute la partie culture, comme ça on pourra s'occuper de ça. Alors en fait, ma question aussi, c'est les cultures, quand tu les mets dans le coffre. À quel moment c'est consommé, à quel moment ça sort du coffre? Quand t'as la totalité, il a dit. Quand t'as la totalité, d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais donc en attendant, il vaudrait mieux les ranger autre part en fait. Pardon? En attendant que ce soit consommé, il faut mieux les ranger autre part que dans le coffre là. Oui, parce que les gens vont viser ce coffre là. En fait, ouais, voilà, faut pas mettre dans le coffre tant que t'as pas la totalité. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir et piller notre truc. Ouais, voilà, ils seront plus à même de chercher ce coffre là. Par contre, on a le biome le pire qui existe. Hein, parce que les skulls et tout ça. À la limite, les creepers, ouais, ils sont. Bah, tu les vois arriver, en fait. Le problème c'est que les squelettes. Le but va vraiment être au maximum de déblayer la plage en fait. Bah, du coup, si on spam là, c'est pas mal déjà. Là, il y a Allez, après, on peut foutre le feu, hein. Pardon ? Après, on peut foutre le feu quand on a assez de bois. J'espère que vous avez des gros PC alors. Moi, ça va, je. Bon, je dis ça parce que justement ça tire, mais. Cactus, on avait dit, oui, il faut tant que c'est pas passé, on peut pas le valider. Poisson. La tour, c'est. Vous avez déjà pris de l'encre de poupe ou pas? Ouais, il y en a dans le coffre, dans le double coffre. Hey, GG! Nice. GG. Les têtes, ils les ai même pas posé. Ah, donc c'est 2, c'est 3 pour le 3ème, et après c'est 2 pour tout le monde. Ok, ah, les ratasses! Les têtes, je les ai même pas posé les trucs. Il m'en reste encore 17 des blocs. Ça bascule pas sur un nouvel event parce qu'on l'a fini, y'a pas. Ouais, on l'a fini, y'en a pas encore. Non, c'est chaque jour en fait. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoutez, nice. C'est déjà ça, on peut se focaliser sur autre chose en attendant, c'est bien. Bah en fait moi je kifferais bien justement trouver un ou deux skulls, en gros,
pour avoir de la bonne mille et avoir nos bottes de foin, tu vois. Ouais, c'est possible. Je vais essayer de voir si je peux trouver des fleurs. Mais c'est trop ouais, j'en ai pas vu, j'ai fait le tour, j'en ai pas vu, c'est peut-être au centre de l'île. Par contre, les gars, c'est bizarre parce que franchement, on est dans un biome qui est quand même méga dense et j'ai pas croisé un seul mob. Bah écoute, ouais. Parle pas de ça maintenant parce que tu vas porter la poisse. Je savais, j'aurais dû mettre. Moi, j'ai pas mal dans les maps. Ah ouais, ouais, bah t'inquiète. Mais les chantiers, faut qu'on arrête le modé, on est perdu après. Ouais, mais c'est ceux qui jouent en Vanilla qui sont perdus. Non, mais attends, oui, bien sûr, on est d'accord. C'est normal qu'on soit pas fait attaquer en fait. Ah, t'as une fleur? Oh, mais putain, mais j'ai fait le tour, j'en ai pas vu une, t'arrives là. Une fleur rose. Nice. Et Doroc est mort. En fait. Alors, dans ce cas-là, si vous avez déjà les trucs avec les fleurs, n'oubliez pas, 3 fleurs différentes dans un coffre. On a du rose. 3 fleurs différentes dans un coffre et on a 5 points, les mecs, donc allez-y. Ouais, ouais. Faudra trouver 3 du coup des fleurs à chaque fois. Sérieux, Nems il est déjà sur une. Parce qu'il y a les trucs. C'est bon les 3 fleurs là. Alors, juste sap. Non, j'en ai qu'une de fleurs. Ah merde, je croyais que trouver qu'une. Non, j'en ai trouvé qu'une de fleurs. Pareil pour la fois la bonne mie pour pouvoir les faire pousser ou les trucs comme ça. Mais ouais, il y a 0 mob. Attends. Bon, je vais pas nous porter la poisse, mais. J'ai des citrouilles. C'était quoi les pumpkins? Pumpkin, c'est des. C'est la tarte au citrouille. Non, pumpkin pie, donc c'est les tartes. Il en faut combien? Qu'est-ce qu'il faut pour faire la tarte? Il faut des œufs. Il faut des œufs. Des citrouilles. Si vous m'entendez crier, c'est que c'est des trucs à crier pas. Œufs, citrouilles. Des œufs, citrouilles, je me demande s'il faut pas du lait et aussi. Du fer. Le lait, c'est pas grave ça? Non, le lait, c'est les gâteaux. Ah, je sais plus. Le lait. Ouais, c'est gâteau le lait. Avec œufs. Du coup, ouais, quelqu'un a pris des dégâts pour savoir si on régène ou pas. Non, je ne sais pas. Il nous faut beaucoup de canne à sucre ou pas? Ah, s'il faut 3 tartes. Je pense, hein. Cacao, il y a besoin ou pas? Je l'ai planté pas mal, mais. Cacao, il y en a partout sur lui, donc ça va. Ouais. Par contre, ouais, pour le colorant bras, dès que le mouton est. À sa laine qui est revenu, si vous voulez le colorer. Eh, mais les mecs, ouais. Sérieusement, je suis en plein milieu pas. De la pampa là, et j'avoue, il n'y a pas un seul mob. Hein. Non, non, il n'y a rien du tout. Silence. T'as dit quoi? Silence, le karma nous écoute. Ouais, mais j'ai demandé sur le chat, genre, c'est en peaceful ou quoi? Personne n'a répondu, ça... Ah, j'ai une jungle sapling. Yeah. Alors, j'ai ça... Par contre, les coffres planqués dans notre île, fuck you. Ouais, ça donne qu'un color. J'en ai récupéré qu'un seul, mais après les autres, je les ai pas vus. Ouais, des pommes de terre, donc ça c'est cool, mais vu la gueule quoi. De notre île... Ah, ça va être notre île, elle est ignoble. Vous avez des citrouilles? On en a quelques-unes. J'en ai récupéré quelques-unes. Je sais ce que je vais faire. Je vais me faire un bateau, je vais rusher vite de en face. Pour l'instant, on n'a pas le droit, mais après, ouais, tu peux. Ouais, tu attends, reste par contre, dans une minute, encore. On peut y aller. Ouais, bah vas-y, fais ton bateau. Ok, j'ai trouvé un squelette, les mecs. Bon, je vais peut-être prendre un deuxième parce qu'avec la chance que j'ai, il va péter. Ça, une cache en fer déjà. Il est payé pour tout le monde, je sais pas. Les bateaux, faut les faire par 10 de toute façon pour être sûr. Tu stack maintenant les bateaux? Non, toujours pas, non. Bien sûr que non. Ah, bah, okay. Ah, bon, ils stackent pas ? Ah non, c'est les portes qu'ils ont stackées, ouais, exact. Ah, les portes, ils ont stacké, ça c'est bien par contre. Oui, les portes maintenant se stackent, ouais. J'ai eu un champignon rouge, je suis pas pareil, pensez à faire. Ah, les mecs, en fait, j'ai rien dit, j'ai trouvé un creeper et un skull. D'accord. Et qu'est-ce que tu disais, pardon, sur un short blé. Faites un short blé pour les seeds. Regarde, derrière toi. Truc à 50, enfin. Ouais, ça va. Faudrait peut-être planter des patates pendant que j'y pense d'ailleurs. Aussi. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais. Oh, allez, je vais planter les patates. Oh, vache, les squelettes ils font mal, la vache. Meurs pas, fais gaffe. Non, c'est bon. Ok. Il y avait des pommes d'or, mais du coup, je sais pas si c'est bien. Mais Drock est remort. Bah, décidément, comment il fait? Bah, ça arrive. Ah, tu me diras, il me reste 2 cœurs, les gars. J'ai croisé une araignée. Ah, bah, nous, en plus, les araignées dans la jungle, on va se marrer. Bah ouais, non, 1.10 pour le PVE, c'est... Oh putain, il y a... Ok, je me casse, il y a un squelette fou. Ouais, ouais, mais joue sécure, si on peut ne pas perdre de vie, c'est bien. Ouais, parce qu'en ouais, fait, non, le plus de vie on économise, le plus on peut se suicider à la fin pour faire des points. L'oubliez pas, ça. Non. C'est-à-dire que si, imaginons, on garde... Ah, salut, okay. Des bisous. Salut, des bisous. Salut, au prochain.